bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je fais la vidéo du concours 3000 abonnés. Actuellement, j'ai pas encore 3000 abonnés, mais je pense que ça ne devrait pas tarder. Et comme ça, ça vous laisse le temps de participer. Alors, pour ce concours, j'avais vraiment envie que tout le monde puisse participer, qu'il n'y ait pas besoin de faire des calculs savants et de m'envoyer ça par mail, parce que sinon j'aurais eu peu de réponses et j'aimerais bien que tout le monde ait sa chance. Alors que vous soyez youtubeur, pro du spin cubing, ou alors que vous connaissiez à peine le milieu et que vous n'ayez pas de Rubik's Cube, tout le monde peut jouer, tout le monde peut tenter sa chance. Alors, le lot, c'est ce cube. C'est un Cyclone Boy magnétique. Alors pour ceux qui ne connaissent pas vraiment le milieu du speed cubing, le 3x3, c'est-à-dire le Rubik's Cube classique, est magnétique. C'est-à-dire que c'est un petit peu le haut de gamme de ce qui se fait sur le marché en ce moment. Et voilà, ça accroît la stabilité quand on va vite. C'est meilleur en règle générale. Ce cube a une valeur, en fait c'est un peu difficile d'estimer la valeur de ce cube puisque il s'achète sur internet, les prix varient en fonction des sites. Bah, je pense que si un cube comme ça en France, dans un magasin, ça coûterait 15-20 euros, je pense à peu près, peut-être 25. Et sur internet c'est trouvable à 10 euros en attendant 3 semaines et en payant 1 ou 2 euros de frais par mois. Je pense à peu près, hein, à la louche. Et puis ça dépend des promos et tout ça, mais enfin bref. Alors, pour participer à ce concours, pour gagner ce cube, il faut, c'est très simple, deviner quel est mon PB. Alors, c'est quoi un PB? Ça veut dire en anglais personal best, ça veut dire mon record. Donc, pour ceux qui ne sont pas habitués au monde du speedcubing, quel est mon record de vitesse? Alors, mon ancien record de vitesse, c'est, je vous l'affiche, 14 secondes et 54 centièmes. 14 secondes 54, ok. Donc voilà, faudra être précis au centième près, comme ça je vais pouvoir diviser, ne désigner qu'un seul gagnant et pas plusieurs. Alors, donc à l'époque, mon record qui était de 14 à 54, je faisais environ dans les 25 de moyenne, 24 de moyenne, par là. J'avais un record à 23 de moyenne, il me semble, ou 22 de moyenne, je sais plus, mais voilà, en gros je faisais 25. Actuellement je fais environ 21,5 de moyenne, donc j'ai drastiquement augmenté ma moyenne. Mais là quand je parle de moyenne, c'est une moyenne sur beaucoup de résolutions du Rubik's Cube, une centaine voire 200 résolutions du Rubik's Cube. J'avais une moyenne d'environ 25, 24, et aujourd'hui je suis plutôt entre 21 et 22. Voire même, aujourd'hui même, mon dernier AVG 200, c'est-à-dire ma dernière moyenne sur 200 résolutions, c'est 21. Donc actuellement, c'était avant, enfin je veux dire il y a quelques semaines, c'était 14,54. J'ai battu ce PB. Donc voilà, je vous demande précisément, c'est combien mon PB? Est-ce que c'est 11, 12, 13, 14, 9, 8, peut-être 6, parce que j'ai eu un énorme coup de chance? Je sais pas, vous n'avez le droit qu'à une tentative. Si je vois quelqu'un qui a mis plusieurs tentatives en commentaire, j'en prendrai aucun en compte, pour que tout le monde ait une chance. Et vous inquiétez pas, j'ai pas mal de cubes à faire gagner, donc je pense que je vais assez régulièrement faire des concours, parce que plutôt qu'ils traînent dans mes placards, je préfère vous les faire gagner. Donc voilà, les jeux sont ouverts, vous commentez en commentaire ce que vous pensez au centième près. Voilà, si vous dites, disons 10 secondes 29 et que mon PB c'était 10 secondes 31, vous êtes à 2 centièmes. Si personne ne se rapproche plus près que vous, bah vous gagnerez ce cube et je vous l'enverrai par la poste. Donc voilà, j'espère que vous allez avoir de la chance et que vous gagnerez ce cube. Je ferai une vidéo pour désigner le gagnant, je pense, d'ici 2 semaines à peu près. Donc voilà, soyez bien, suivez bien. Ah oui, j'ai oublié, il faut que vous soyez abonné à ma chaîne et que vous aimiez la vidéo. Voilà, que vous soyez pas comme ça un inconnu qui vienne gagner un cube alors que j'ai une communauté qui me suit depuis plusieurs mois. Donc voilà, faut quand même que vous soyez abonné et que vous aimiez la vidéo. Donc ça, je vérifierai si vous êtes bien abonné à ma chaîne. Sur ce, bonne journée et à bientôt.